Hey, un gros GG au Titi Amine TFM pour avoir été le premier à avoir trouvé les trois derniers mots de la dernière vidéo. Encore un gros GG à toi, mon petit Amine TFM. Je vais vous mettre 2-3 vidéos de Amine TFM pour que vous voyez à peu près ce qu'il fait. J'avais caché le mot yo-yo en 6-0-1, j'avais caché le mot Titi en 16-10 et j'avais caché le mot moto en 27-29. Dans cette vidéo-là, je vais cacher aussi trois mots. Et on verra le premier Titi qui arrive à les trouver. Hey, salut à tous, c'est Perona, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur PUBG pour les petits jeux en vrac. Alors, avant de commencer, est-ce que ça vous dirait pas, avant de commencer, qu'on se fasse un petit... j'ai un peu de sous, voilà, j'ai 1800 pièces. Qu'on se fasse un petit pack opening. Parce que là, on est à poil. Voilà. Ouais, ça c'est cool. On va s'en faire un. Why? Ah oui, maintenant ça coûte. Ah, ça augmente. Mais vous êtes pas sérieux. Oh, la carotte. Mince, je pensais que je... Ok, bah c'est pas grave. Pantalon. On va mettre un petit pantalon parce que je vous avoue, en fin de compte, dès le début du jeu, vous êtes totalement à poil. Alors, PUBG Mobile. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez. Moi, je vais pas vous mentir, c'est la toute première fois que je vais jouer à PUBG Mobile. Enfin, PUBG tout court même. On va voir ce que ça donne. On va faire ça en mode solo. Ouais, solo. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a 100 joueurs. Par contre, j'ai déjà fait 2-3 parties avant. Le truc que je comprends pas, c'est qu'au niveau des graphismes, j'ai mis HD. Alors, on peut pas mettre en ultra pour le moment. Je pense que par la suite on va pouvoir, parce que de toute façon le jeu n'est pas en français encore. Parce qu'au niveau de la qualité, je... Voilà. Plus tard on mettra en ultra, mais pour le moment on peut pas. On va où? Parce que alors là je ne saurais pas où aller, hein. Je vous avoue, la PUBG, what the fuck. Allez, yallah. On va se rater totalement. On va se rater totalement. Mince, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas un mec qui a atterri. Ok, alors attendez, ici. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite. Ah oui, c'est vrai, les objets, ça les ramasse automatiquement normalement. Enfin, les objets jaunes, ceux qu'on a besoin. Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je sais qu'il y en a où ça ramasse automatiquement. Ouais, on va ramasser ça. Ici. Hey! Des balles. Ok, ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va à l'étage. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Oups, là, pardon, excusez-moi. On va juste s'accroupir. Ok, au cas où. Un gun, des balles, des tacs, des grenades. Pour le moment, ça. Pour le moment, ça va. Ok. Ensuite, ici. Ouais, des balles, on va ramasser les balles. Hein. What the fuck? C'est quoi ce viseur de ouf? Oh mon Dieu! Ça déchire. Bon. La petite maison d'à côté. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais perdre de la vie. Non, ça va. C'est pas comme dans Free Fire. Lui, il a des bonnes jambes. Enfin, surtout des bonnes cuisses. On va pécho ça. On va pécho ça. Pourquoi pas. Là, les chaussures. On change de chaussures. J'avais même pas de chaussures. Ok, bah y'a là, on a des chaussures. Je pense... Alors, à votre avis, est-ce qu'on va se taper toutes les maisons ou pas? Alors, je pense qu'on aura le temps de se taper toutes les maisons. Hein. Il nous faudrait des soins. Oh, une casquette. Ça protège absolument pas. Donc on va mettre un casque à la place. C'est quoi ça? Il y a des trucs, je sais même pas à quoi ça sert. Ouais, on va ramasser ça. Je pense que je ramasse beaucoup d'objets qui ne servent à rien. Je suis désolé, mais comme c'est la première fois que je fais un petit PUBG, je sais pas trop quoi prendre, quoi pas prendre. On va... Ouais, on va passer par là. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Hey, energy drink. On va boire une petite energy drink. Je sais pas s'il faut. Je sais même pas s'il faut. Oh, qui? Ok, si, il faut. Ça me donne un peu de défense. Ouais, on va faire... Ouais, on va laisser ça. Le casque, ça, c'est bon. Ici, il y a quoi? Ici, il y a rien. Par contre, attendez, il y avait un chargeur de... Voilà, on va prendre le chargeur au cas où. Je sais pas s'il est mieux. Ensuite... Hey, une autre petite cabane. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? On va tout le temps fermer la porte derrière. Oh!
Oh. Un gros soin. Alors ça c'est plutôt cool. Il y a un mec. Il y a un mec. Ok. What the fuck? J'ai cru que j'allais même pas réussir à l'avoir. Je vais pas vous mentir. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. On va faire ça comme ça. Ouais, je pense que ça suffit, hein. Je pense que ça suffit. On va faire ça comme ça. Attendez le sac, parce que le sac, en fin de compte, je pense que je suis blindax, hein. Attendez, on va acheter tout ce qui nous sert à rien, je pense. Donc là où il y a des sens interdits, je pense qu'on va tout jeter, hein. Ça veut dire que ça nous sert à rien. On verra par la suite. Non, ça devrait être bon. Ok, bon, ici, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ouais, des balles. Ok, pourquoi pas. On va prendre cette arme-là. Je pense qu'elle doit être. Ouais, elle doit être mieux cette arme, je pense. Hein. En plus, je dois avoir un. Là, je pense que c'est un silencieux qu'on a chopé. Hey! Hey! Ça, c'est cool. Ok. Bon, c'est parti. On est dans la zone? Yalla, on est dans la zone. Ça, c'est plutôt cool. Alors. On va faire gaffe. Hein. On va pas faire les. Ok, laisse tomber, on va pas prendre ça. Monte, dépêche-toi, petit gazelle, monte. Ok. Alors, on va regarder aux alentours. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Attendez, on va se mettre en mode. Ok. Il y a personne? Y a pas une petite brebis ou un. Hop, 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 hop. Attendez 2 secondes. What the fuck? C'est quoi ça? Genre ça? Ah non, je me disais aussi, j'allais dire, genre ça, je peux le prendre. Absolument pas. Ok. What the... Il y avait pas un mec là-bas, là? Genre, là. Attendez 2 secondes. Il n'y avait pas un mec ici, là? J'ai l'impression de voir des... Il n'y a pas un mec ici, là? Caché dans les airs? Non? Bah mince. Je pensais vraiment, je vous avoue là. Bon, vous savez quoi? On va aller fouiller. On n'a pas la poêle. Oh, oh. Oh mince, ça c'est dommage. On n'a pas la poêle. Ah mince. Ah ça par contre c'est assez relou qu'on n'ait pas la poêle. On va aller visiter cette petite maison-là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors le problème c'est que les villages, de village en village, c'est super loin. Ça c'est un truc de ouf. C'est cool, ça veut dire que la map est super grande. Mais c'est vrai que c'est super loin quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Alors attendez, parce que je pense qu'au milieu là, il y avait une arme qui était plutôt cool. Tu peux tout ramasser, voilà. M16. C'est laquelle meilleure M16? C'est ce que j'ai, je pense. Hein. Je sais même pas. Attendez, on va prendre ça. Ouais, je sais même pas c'est laquelle la meilleure que j'ai, mince. Oh, un casque. De la vie, ok, ça c'est cool. AK-47. Attendez, il n'y avait pas un mec? Non, il n'y a pas de mec, non. J'ai tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un, c'est incroyable ça. Allez, galop, 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 dépêche-toi, petit... dépêche-toi. Oh, ok, là, il n'y a rien, il y a... Oh, il y avait un avion. Il y a un colis qui est tombé. Alors, vous savez quoi? On va fouiller ici. Y a rien. Ok. Ok, y a rien. Mince! Bon! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Y a un mec qui m'a tiré dessus. Je vous promets qu'il y a un mec qui m'a tiré dessus. Est-ce que c'est moi qui a tiré sans faire exprès? Ou est-ce que c'est un mec qui m'a tiré dessus? C'est lui qui m'a tiré dessus. Ok, nickel. On va ramasser les trucs automatiques, hein, on va pas s'embêter.
Y a pas un mec à l'intérieur là? Ah non, excusez-moi. J'ai eu peur. Vous savez quoi, on va se poster ici vite fait, mais juste vite fait. Histoire de se soigner. Alors, on va boire une petite bière. Tranquillement, histoire d'avoir un peu de vie. On va se mettre un petit. Un petit. Je peux pas! Aucun des deux! 75? 75, what the fuck? Ah non, vous êtes relou là. Je vous ai trop relou là. Par contre, l'arme que j'ai, c'est par à coup. C'est par à coup de 3. Je vous avoue, je déteste ces armes-là. Je vais pas vous mentir. Voilà, ça pour moi, c'est déjà beaucoup. Beaucoup mieux. Voilà, je vais pas vous mentir. Moi, je préfère largement les armes comme ça. En tout cas, sur PUBG. Je me verrais pas avec une M14. Bon. Alors par contre, il y a des what the fuck. Attendez 2 secondes. Ok. Parce que là, il y avait des latences. Incroyables les latences qu'il y avait. Ah oui, c'est parce que la zone arrive. Ok, je pense que c'est pour ça que ça doit laguer de ouf. La zone, on est où? On est juste à côté de la zone. Vous savez quoi? On fait quoi? La zone est juste là. Elle met combien de temps à arriver? Oh, ça va, elle est super rapide. Vous savez quoi? Je pense que ça va durer. Ouais, 0 seconde. On va attendre que la nouvelle zone arrive. Et on va voir où on va aller. Je pense qu'on va s'avancer, hein. On va déjà avancer directement. On va même galop. Vas-y, lève-toi. Allez, galop. Ok. Je pense qu'on va même galop. Ok, alors la nouvelle zone. La nouvelle zone. Et on est juste à côté de la nouvelle zone. Ça, c'est plutôt cool. On va quand même s'arrêter, je pense, à un moment. Genre, on va s'arrêter ici. Juste pour pouvoir regarder autour de nous s'il n'y a pas. S'il n'y a pas. Voilà, par exemple. What the fuck? Vous êtes des oufs! Vous êtes des oufs! Bon, bah, je peux rien prendre. Non! Recharge, imbécile! Ok. On va où? J'ai un peu peur là. Dès que je me déplace, il y a des gens qui sont là. Bon, allez, galope, galope, galope. Non, mais lève-toi. Galope. Ok. On va faire super gaffe, hein. On va faire super, super, super gaffe parce que là, on va visualiser tout le temps autour de nous, hein. Parce que là, je le sens mal. Pour le moment, ça va. Il nous faudrait de l'énergie drink. Je vous avoue, ce serait cool. Parce qu'en fin de compte, l'énergie drink, c'est plutôt cool, hein. C'est vraiment plutôt cool, en fin de compte. Là-bas, les maisons n'ont pas été ouvertes. Ouverte, ouvert. Oup, hop, hop, attendez. Il y a une voiture. Ouais, il y a une voiture, il y a une voiture, il y a une voiture. On va pas y aller, hein. On s'en fout un petit peu, je pense. On va y aller, vous rigolez ou quoi? Une voiture! PUBG! Allez, yallah, dépêche-toi! Mets-toi à main nue. Comment on se met à main nue? Comme ça? Allez, galope! Galop, petite gazelle. Ah non, c'est vrai, c'est un mec. Mince. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Prends ton arme. Visualise autour, au cas où, on sait jamais. Qu'il n'y ait pas un petit. Je l'avais vu de loin celui-là, je vais pas vous mentir. Je l'avais vraiment, vraiment vu de loin celui-là. Il est où? Il est où? What the fuck? Allez, vas-y, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. On va pas y aller. C'était vraiment genre. Je l'avais par hasard vu de loin. Mais je pense qu'on va pas. Il y a des vieux reflets des fois. Je pense qu'on va pas s'embêter là-dessus. Je sais pas s'il va montrer sa tête en fin de compte, c'est ça le truc. Ah les gars, là on va tester une petite voiture.
Oh, ok, d'accord, la conduite, elle est... C'est quoi ce klaxon? On dirait... C'est quoi ce klaxon? Vous êtes sérieux? Ok. On peut sortir directement, on peut sauter de là. What the fuck? Ah, ça veut dire on peut faire des petits sauts. À votre avis, est-ce qu'on peut faire des sauts? Avec ça, je pense, hein, ça doit être comme une sorte de quad. On peut faire des trucs avec. Attendez, on va essayer de trouver un petit saut. Ok, non, échec total. Bon, vous savez. Eh, je suis désolé, frère. Je suis désolé, t'étais. T'es où? Je suis désolé. Pardonne-moi. Genre, t'étais là, t'étais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était pas prévu. Voilà, j'étais censé me balader. Toi, t'es venu. T'étais comme un lapin sur une autoroute. Donc, pardonne-moi mille fois, mon petit. On va y aller à pied. Voilà. Parce que ça, c'est quand même ça qui est. Voilà, ça ne va pas prendre la voiture, hein. C'est avec ça qu'on a tué le mec. Si on trouve un autre véhicule, on va le prendre. Mais pour le moment, je pense qu'on va rester à pied. Ok, il n'y a personne, il n'y a personne. Ouais, ok. Petit fusil à pompe, on sait jamais au cas où. On va le recharger. Il était même pas rechargé. J'ai des armes sur moi, elles sont même pas rechargées, c'est incroyable. On est dans la zone? Ok, on est dans la zone. Bon. Maintenant qu'on est dans la zone, il reste exactement 31 petits survivants. Excusez-moi, il n'en reste plus que 29. Vous avez vu quand j'ai tiré dans sa tête, son casque il est parti. On a découvert sa grosse touffe. Dès que son casque il est parti, il y a sa touffe qui est sortie du casque. C'est hallucinant ça. Ça me stresse, je sais pas où aller. Alors attendez, on va juste attendre que la zone elle arrive. Dépêche-toi d'arriver. Ok, la zone elle est là. Bon, ça veut dire que maintenant la nouvelle zone est. Wow, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Ça veut dire que là on est obligé de passer par le pont quoi qu'il arrive. Vous êtes sérieux? Mais c'est quoi cette carotte que vous êtes en train de me mettre? What the fuck? Mais non, mais vous êtes sérieux? Mais c'est quoi ça? Mais vous êtes sérieux? Non, avouez franchement, avouez que là, franchement, la zone elle est quand même crevard avec nous. Mais c'est incroyable ça. Mais vous êtes pas sérieux? Bon bah, c'est parti, hein. Je sais pas comment on va faire. On va y aller à la nage. Attendez. On est là. Allez, y là, on y va. On va y aller à la... Je pense qu'on va y aller à la nage, à mon avis. Hein. On va faire ça comme ça, parce que là, c'est... Moi, je passe pas par le pont. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, passer par là, jamais de la vie. C'est un massacre de passer... Il y a un mec? Ah non. Ce serait un massacre de passer par là, je vous avoue, là. Ce serait tellement suicidaire. J'ai presque l'impression que je vais me manger une balle dans la tête dans peu de temps là. Je le sens mal. Alors là, je vous avoue là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un snipe qui est pas loin. Dans une forêt comme ça là. Ah, il y a un mec qui est mort tout seul. Par la zone. What the fuck? Ouais, là, je vous avoue, je le sens un peu mal là. Je sais pas pourquoi là. Je sens la mort arriver. En plus, apparemment, les véhicules tuent les gens en un coup. Ce qui n'est pas spécialement une bonne nouvelle. En plus, il y a un mec qui vient juste de mourir en voiture. Qu'est-ce qu'on fait alors? On passe par là? À votre avis, est-ce qu'on aura le temps de nager? De toute façon, l'eau est dans la zone. Il y a la grosse mare d'eau qui est dans la zone. Donc je pense qu'on aura le temps, quoi qu'il arrive, de nager, non? À mon avis. La zone, elle arrive. What the fuck? What the fuck? What the fuck? La zone, elle arrive. Bon. On est à 439 mètres. Il y a une petite berge. Pas une petite berge. Je sais pas si on appelle ça comme ça. On va y aller, hein. Je pense qu'on va y aller. Mais le problème, c'est qu'à votre avis, est-ce que je vais être le seul clampin à faire ça? Ou est-ce qu'on va être beaucoup à faire ça? C'est ça que je suis en train de me demander. Parce que je vais pas être le seul, hein. Il reste 15 joueurs. 16, il reste 17 joueurs. 16 joueurs. Ça va vite.
Je pense que je vais pas être le seul à faire ça. À mon avis. Je le sens mal. Ok. Alors le bateau, il est où le bateau? Le bateau, il est là. What the fuck? Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais non, monte en haut, monte, monte. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes pas sérieux. Ah les bugs de ouf, c'est incroyable. Allez, dépêche-toi. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut aller sur la Terre avec ou pas? Est-ce qu'on peut... Ok, on l'a cassé. Bon. Je pense qu'on va passer par là. Il y a un mec. Il est où? What the fuck? What the fuck? Ok. On n'est pas dans la zone. Allez, galop, galop, galop. Alors attendez, on va faire un truc. On va prendre ça. Elle est où la zone? Elle est là. Il y a des mecs partout. What the fuck? Allez, wesh, dépêche-toi. What the fuck? Ok, bon. On va continuer à avancer discrètement. What the... Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il y a les... Putain d'herbe qui nous... What the... Eh ben, ce jeu-là est plutôt cool. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Alors, au niveau des graphismes, comme je vous ai dit, je pense que par la suite, on pourra les mettre en ultra. Je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Peace.